C'est parti pour un nouveau numéro de Faites le papier, direction Paris-Vincennes ce samedi pour le Quintet Plus. 14 compétiteurs de 7 à 10 ans vont en découdre sur le parcours des 2100 mètres. Alors ma préférée, c'est le numéro 5, Finn Colline. Invaincu en deux tentatives déférées des antérieurs sur le parcours de ce samedi, cette pensionnaire de Mathieu Abrivard arrive au top de sa forme pour cette course. Bien placée derrière les ailes de l'autostart, elle a moyen de signer une nouvelle victoire, si le parcours lui est favorable. Je fais confiance également au numéro 6, Zakaria Barr. Dépendant du redoutable Alessandro Gocciadoro, ce fils de Redicache a de superbes lignes dans son pays. En octobre dernier, il terminait deuxième d'un certain Vivevo Aizas. Sur cette ligne, c'est une première chance théorique. Je poursuis avec le numéro 2, Domingo Della. Ce pensionnaire de Jean-Philippe Borodachko s'est pleinement réhabilité les trois dernières fois, après un meeting d'hiver assez décevant. La dernière fois, il n'était battu que par l'intouchable Diablo de Capone. Nanti du numéro 2 ce samedi, il ne devrait pas sortir des trois premiers. On enchaîne avec le numéro 8, Victor Ferme. Récent troisième derrière Ampiamé DSM et Décoloration, ce pensionnaire de JMB a souvent très bien fait derrière l'autostart. Il a déjà trotté une 18 sur le parcours en novembre dernier. Christophe Martens le connaît par cœur, il a une première chance théorique. J'aime également beaucoup la candidature du numéro 13, Dénicheur du Vif. Débarqué chez LC Abrivard récemment, ce fils de Red Light Jet vient de réaliser une très belle performance pour sa première chez lui. Avant le coup, il a une belle carte à jouer. Et pour conclure, je retiens le numéro 4, Valzer Di Poggio. Récent sixième d'un meilleur lot, le fils de Love You affiche un meilleur visage depuis quelques semaines. JMB, le patron, se remet au sulky, il convient de s'en méfier. Pour résumer, mon ticket, ça sera un quintet plus combiné 5, 6, 2, 8, 13 et 4 pour un montant de 12 euros. Plusieurs candidatures semblent se détacher à la lecture des partants, cependant, il est possible qu'un outsider fasse l'arrivée à l'issue d'un parcours favorable. Vous pouvez également retrouver mon analyse détaillée ainsi que l'avis des pros, les interviews des entraîneurs sur le site equidia.fr. J'espère qu'on va toucher les amis, bon jeu à tous.